Ah là là, let's go les mecs, je suis trop content, je vais être recruté en tant que golem. Bon, je sais que golem, ça se voit pas trop à mon visage, mais bon. Chez nous, les golems, c'est les policiers, et je vais être recruté en tant que policier. Donc bon, je vais pouvoir rentrer dans mon nouveau travail. Eh pépép, monsieur, là, vous êtes qui, là? Venez ici tout de suite. Ah mais bon, il vient en menaçant, là, qu'est-ce qui se passe? Je suis en gentil, moi, je suis en policier. Ah ouais, bah fais-moi voir ta carte, là, tout de suite. Ma carte, c'est vrai que je l'ai peut-être oublié, je suis nouveau, moi, j'ai rien. Attends, quoi, t'es nouveau et on t'a pas filé ta carte? Bah oui, là, normalement, c'est vous qui alliez m'expliquer comment ça se passe mon nouveau taf de policier golem. Ah mais oui, excusez-moi, j'avais oublié. Bon bah du coup, votre boulot de policier golem, c'est tout simple, vous devez défendre le village. Non mais attendez, c'est quoi cette explication pourrie là? Qu'est-ce que je suis censé retenir de ce que vous venez de me dire? Bah c'est très simple, vous voyez quelque chose qui va pas, vous réglez le problème. Et bon, pour t'aider dans ta mission, tiens, je te file ton arme de service. Et aussi quelques munitions, hein. Bon, je sais pas comment on les recharge, mais t'inquiète. Attendez, mais vous êtes bien policier, vous? Comment ça, vous savez pas comment on recharge? Monsieur, moi je suis que secrétaire. Hein. Bon bah super. Bon, ok, bah merci, je vais aller m'occuper de faire mon taf. Hein. Ouais, vous avez intérêt à revenir plus vite que ça, je veux des résultats immédiatement. Et vous savez très bien ce qu'ils deviennent, les policiers qui exécutent pas les ordres. Ils finissent comme celui qui est derrière vous. Bah attends, mais de qui vous parlez? Oh mon dieu! Pourquoi il est en prison? Bah lui, c'est Fabrice. Il a pas réussi à sauver quelqu'un, donc maintenant, il est en prison à vie. Oh là là, ok, bon, vous inquiétez pas, monsieur, je vais bien m'en occuper, j'ai sauvé tout le monde. Mais mec, c'est pas possible! Il m'a donné une arme, je sais pas m'en servir. Regardez-moi ça, j'ai pas envie de finir comme Fabrice. Il a l'air de me fixer en étant déprimé. Je peux finir comme ça, moi. Ok, du coup, les mecs, mon plan va être super simple. Il va falloir que je vois s'il n'y a pas de petits problèmes qui se déroulent. Tout d'abord, dans le restaurant, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde, là. Ça va, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Il faut absolument que je trouve des personnes arrêtées. Est-ce que là, il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne dans ce trou. Sinon, oh, regardez-moi ça, les mecs. Il y a l'air d'avoir deux petits villageois qui ont l'air de parler entre eux. Faut que je vois s'il y en a pas un qui est en train de faire une activité suspecte. Et non, mais attends, comment ça, tu m'as volé mes 5 émeraudes? Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui as volé mes 5 émeraudes. Mais non, c'est toi, je te dis, c'est toi. Les mecs, ils ont l'air de s'embrouiller. Excellent. On va continuer les observer. Les mecs, il faut que je trouve une bonne raison de les arrêter là. Tant qu'ils sont juste en train de s'embrouiller mais qu'il n'y a pas de problème, c'est pas assez bien pour moi. Et tu sais quoi, viens, on va régler ça tout de suite là au Fight Club. Allez go. Quoi? Mais les mecs, qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans un endroit totalement suspect là, les mecs. Faut que je les suive. Faut absolument que je les suive le plus rapidement possible. Où est-ce qu'ils vont? Où est-ce qu'ils vont? Ok, bon, je suis le policier le plus cramé du monde là. On va les suivre, on va se cacher juste derrière cette maison là. Quoi? Comment ça se fait qu'ils sont rentrés dans cette maison? Je sais même pas c'est quoi cette maison. C'est une maison tout ce qu'il y a de plus classique. Bon les mecs, j'ai bien préparé mon pistolet là. Oh mon dieu, il y a un villageois juste ici. Oh, non. Ils sont passés où les mecs? Je crois que je les ai perdus de vue. Bon, il y a un villageois, mais il a l'air complètement débile. Il a l'air de regarder le mur. Ça va, normalement, il me voit pas. On va pouvoir aller là. Oh, what? Qu'est-ce que c'est cet endroit? Pourquoi une entrée qui mène vers un endroit bizarre? C'est quoi cette zone? Mon dieu, les mecs! Comment ça? Non! Hop! Ceci est une descente de police! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Monsieur, là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Vous êtes en train de vous moquer de moi ou quoi? C'est quoi cette zone de combat clandestin? Non, mais monsieur, on n'était pas en train de se battre. On se faisait des câlins. Vous me prenez pour un abruti? Oublie pas que j'ai un pistolet, hein? Ok, non, je rigole. On était en train de faire de la boxe. Mais écoutez, vous allez pouvoir me suivre? Non. Mais comment ça, non? Vous croyez que vous êtes en possession d'une arme, vous? Là, c'est pas faux. Ouais, donc vous allez bien me suivre, monsieur, là. On va vous emmener en prison. Bon, bah, les mecs, c'est carré, là. Je vais déjà ramener des gens en prison. C'est incroyable. C'est tellement facile, la vie de policier, en fait, quand on y pense. Le policier va être tellement content quand il va voir les mecs, les deux. C'est quoi? Moi, je m'en vais. Je m'en fiche. Mais qu'est-ce que vous faites? Non, toi, reste là où je tire. Je me lève. Mais les mecs, c'est quoi là, ce villageois? C'est Gollum là? C'est quoi cette voix bizarre qu'il a? Et c'est quoi? Abat le policier. Mais frérot, je vais tirer. Aïe, non, je m'en fiche. Plutôt mourir que d'aller en prison. Mais tiens. Oh non, les mecs, j'ai tué un villageois, c'est pas possible. Mais je suis le pire policier. Oh là là, mon dieu, toi t'es le deuxième, toi, je sais que t'es le deuxième. Ok, je me rends. Viens voir tout de suite, tu vas aller en prison de suite. Mon dieu, c'est pas possible, les mecs, je suis vraiment le pire policier au monde. Allez, plus vite que ça, allez, qu'on te revoie pas, là. Quoi qu'il arrive, tu vas finir emprisonné ici pendant longtemps. Il va maintenant falloir que j'aille parler à mon patron, je sais pas s'il va être content ou un peu énervé, là, par rapport à ce qui vient de se passer. Eh, monsieur, je vous demandais de sortir, là, on fait pas de don pour les restos du cœur ici. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Oh, je suis un policier, mais pourquoi tu me dis ça? Non mais monsieur, pas de facteur ici, vous pouvez partir. Je suis pas facteur, je suis policier aussi. Je parlais il y a 10 minutes. Ah mais oui, c'est vrai, c'est toi, mais j'avais oublié. Mais comment t'as pu oublier ça? Mais frérot, t'es bouché. Bon, enfin bref, si t'es là, c'est pas pour rien, j'espère. Mais non, c'est pas pour rien, c'est pour t'annoncer une nouvelle. De quoi? Ils ont réouvert le McDonald's? Qu'est-ce qu'on s'en fout de McDonald's? Non, je viens d'arrêter un petit villageois là, qui est actuellement en prison. Oh mais ça c'est super ça! Il va pouvoir rejoindre son ami qui était là. Bah, il est passé où l'autre golem là? Fabrice? Qu'est-ce qui s'est passé avec Fabrice?
Fabrice, c'est qui ce Fabrice? Mais c'est le mec qui est en prison, arrête de prendre pour un débile. Qu'est-ce qu'il prend? Il est mort là, il est passé où? Il a été libéré? Non, on l'a muté dans un autre village. T'inquiète pas, pose pas de questions. Arrête de mentir, oh, le gros menteur. Et fais gaffe, de toute façon, je sais que tu sais pas t'en servir, ton machin. Hop, moi j'ai tiré, moi. Ok, bon, non, on l'a libéré, bien évidemment. Ok, bah c'est bon alors. Bah moi, j'ai tué quelqu'un sans le faire exprès, mais bon, ça, on va en reparler. Bah il essayait de s'enfuir. Oui. Bah alors, c'est quoi le problème? Ah oui, j'avais oublié que les policiers pouvaient tuer des gens dans Minecraft, ça n'a aucun sens. Hein. Bah ouais, mon gars, hein, s'ils respectent pas la loi, tu peux prendre toutes les mesures nécessaires pour les arrêter. Mais bon, là, on est même pas à la moitié de la journée, t'as arrêté qu'une personne, tu te crois fier? Allez, continue, là. Mais les mecs, c'est moi où je parle au pire golem de tout le temps? Lui, il a arrêté personne, lui. Il est secrétaire, là. Il est grave culotté. Et fais gaffe, hein, c'est moi qui vais t'arrêter pour outrage, là. Hein. Au moins, ça me fera une personne. Hein. Non, c'est bon, pardon, m'arrête pas. Bon, bah les mecs, on va essayer de trouver quelqu'un à arrêter. On va pouvoir continuer à voir s'il y a pas de petits problèmes dans ce village, là. Est-ce qu'il y a pas quelqu'un qui a besoin un peu d'aide? Wesh, depuis quand il y a un pillard? Eh, viens voir, toi. Oh là là, les mecs. Comment ça, c'est lui qui me dit viens voir, frérot? Je suis policier, c'est moi qui dois te dire viens voir, normalement. Ouais, ouais, non, mais je dois te dire un truc vite fait. T'es payé combien, toi, pour être policier? Ah, bon, en fait, je suis payé un stack d'émeraude tous les jours. Quoi, que un stack? Mais tais-toi, mais tu crois que t'es bien payé, toi, sale voleur, hein? Ah, bah, c'est pour ça que je t'ai parlé. C'est parce qu'il y a les pillards qui vont faire un petit braquage cet après-midi. Quoi, les pillards vont faire un braquage? Mais arrête de crier, enfin! Tu veux que tout le monde le sache? Mais frérot, je suis policier, moi, je vais les arrêter, moi. Non, mec, parce que si tu dis rien cet après-midi et que tu fais l'aveugle, on te file 10 stacks d'émeraudes, mon gars. Quoi? Ouais, t'as bien entendu. Mais c'est bénef, ça, en fait. Non, mais par contre, hein, c'est pas gratuit, hein. Tu dois laisser les pillards faire leur braquage et tu dois rien leur dire, hein. Oh mon dieu, qu'est-ce que je fais, les mecs? Bah, de toute façon, si t'acceptes pas, les conséquences, elles vont être très très graves pour toi. T'inquiète pas, j'accepte. Ah, voilà, je préfère ça. Bon, bah, à cet après-midi, hein, que je te revois pas. Oui, t'inquiète pas. Oh là, les mecs, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai de les pillards et je me fais 10 stacks d'émeraudes? Ou alors est-ce que je fais le policier gentil et je gagne que 1 stack d'émeraudes? Et en plus, je risque d'avoir des problèmes. Oh là là, je sais pas. Bon, c'est pas grave, j'ai toute la journée pour réfléchir. Normalement, ils vont arriver tout à l'heure, les pillards. En attendant, les mecs, j'ai continué de faire le policier gentil et de tirer en pour faire comprendre aux gens qu'il faut pas faire de bêtises. Est-ce que eux deux ont l'air de faire des bêtises? Non, ça a l'air d'aller. Ouais, je vais arrêter de me regarder comme ça, hein, c'est bon. Je sais que je vous pointe actuellement avec une arme, mais c'est pas une raison pour me regarder comme ça. Ce soir, quand les zombies vont vous attaquer, je serai là, moi. Vous inquiétez pas, je vais vous sauver. Je suis un policier, les mecs. Sinon, là, qu'est-ce qui a l'air de se passer? Oula, lui, il a l'air totalement bizarre, là, ce villageois. Ok, mec, on va se cacher, là. Je sais pas pourquoi, mais ce villageois a l'air de vraiment de se comporter comme un mec qui a quelque chose à reprocher, là. Pourquoi on dirait qu'il regarde de tous les côtés pour vérifier s'il y a pas quelqu'un qui le suit, là? C'est super bizarre. Mais il va où? Attendez, pourquoi il fuit là vers là-bas, là? Qu'est-ce qu'il va faire, ce mec? C'est le flair du policier. Je sais qu'il a un truc à se reprocher. Il faut que je le poursuive. Mais il va où, les mecs? J'ai jamais vu un villageois aller là-bas. Il faut vraiment que je me cache, hein. Si là, il se retourne, il me crame, les mecs. Ok. Oh mon dieu, il s'est retourné, les mecs. Il vient de se retourner. Heureusement que j'étais caché derrière un arbre. Je sais pas vers où il se dirige, mais j'ai jamais vu les villageois partir de leur village. Croyez-moi, il y a quelque chose à se reprocher. Je sens que les mecs, ça va faire une nouvelle petite arrestation, là. Sinon, les mecs, il est arrivé là-bas. Hein? Il va chez la sorcière? Mais qu'est-ce qu'il va faire chez la sorcière? La sorcière, les mecs, faut toujours éviter de faire des petits échanges avec elle. Elle est toujours là pour vous arnaquer en vous donnant des choses qui sont pas bonnes pour vous. Je sais pas pourquoi ce pauvre petit villageois est parti aller la voir. À mon avis, il y a quelque chose de louche derrière tout ça, les mecs. On va essayer d'écouter discrètement ce qu'est en train de dire à la sorcière, là. Ah, bonjour, monsieur le villageois. Donc, vous êtes revenu rechercher ce que vous vouliez? Qu'est-ce qu'il est parti chercher, les mecs? Bah oui, vous savez très bien ce que je veux, donc vas-y, donne-le-moi, là. Mais qu'est-ce qu'elle va lui donner, les mecs? Oh mon dieu, les mecs, faut que je me prépare, on va arrêter un suspect sérieux, là. Ah, c'est sûr, avec ce que je vais vous donner, vous deviendrez le villageois suprême. Oh là là, les mecs, alors là, il veut conquérir le monde. Je sais pas ce qu'il veut, mais c'est 100% illégal. Oh oui, ça c'est sûr, donc voilà, tenez vos 64 émeraudes comme convenu. Et voilà la potion, vous pouvez la prendre. Avec ça, plus aucun villageois ne vous résistera. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle lui a donné comme potion? Bon, les mecs, je sais pas ce qu'elle lui a donné, mais on va l'arrêter. Hop hop, ceci est un contrôle de police. Contrôle de police, arrêtez-vous, main en l'air, mais arrêtez de tenir vos mains, là. Mais on peut pas les mettre en l'air. Mettez-les en l'air, je vous dis. Si vous les mettez pas en l'air, je tire. Ah, mais vous savez très bien qu'on peut pas, s'il vous plaît. Bon, bref, on va faire comme si de rien n'était. Bon, vous savez très bien pourquoi je vous arrête. Vous allez me suivre, on va aller en prison. Mais pourquoi? Eh bien, écoutez, j'ai tout entendu. Qu'est-ce que vous avez entendu, là? Y a quiproquo, là. Vous allez lui donner une potion pour conquérir le monde, je suis pas bête. Ah, mais quoi? Mais pas du tout, monsieur, pas du tout. Mais qu'est-ce que vous allez lui donner, alors? Hop, me prenez pas pour un abruti, hein. J'ai les balles, moi. Non, mais monsieur, s'il vous plaît, je veux pas l'avouer, s'il vous plaît. Vous devez l'avouer, je suis policier. Ce sera dit à personne, vous inquiétez pas. Oh bah, c'était une potion pour me faire rapetissir le nez. Quoi? Ah, tout ça parce que vous avez un nez immense et géant, tellement gros qu'on dirait le mont Everest. Mais oui, vous en rachetez pas une couche, s'il vous plaît. Ah, mais moi, je voudrais que vous vouliez conquérir le monde. Bah, excusez-moi, alors, je me suis peut-être trompé. Oui, donc je vais vous demander, s'il vous plaît, de
partir de chez moi tout de suite. Faut pas taper un policier, madame. Ah si, moi je tape que les policiers incompétents, comme vous. Ne le dites à personne, je pensais pas, les mecs, je pensais vraiment que vous étiez un mec dangereux. Eh ben, parlez pas de la potion du nez et on n'en parle plus. Oui, on n'en parlera plus, vous inquiétez pas. Les mecs, je suis le pire policier. Mon dieu, mais c'est pas normal d'être aussi nul que moi. Le mec, il était juste complexé, il avait juste peur de son nez. Oh non, c'est pas possible, les mecs. Bon, bref, c'est tant pis. On va faire comme si de rien était, les mecs. Je vais retourner au village et on va essayer de trouver s'il y a pas quelqu'un qui a besoin d'être sauvé là. Je vais plus refaire d'erreurs comme celle que je viens de faire, ça sera la dernière fois. Sinon, les mecs, j'ai une petite idée là en vrai. Je pense que la raison pour laquelle je trouve pas de personne à capturer, c'est parce qu'en fait, regardez-moi ça, mon look, il laisse pas. On voit tout de suite que je suis un policier. Du coup, forcément, les gens, quand ils voient que c'est un policier, ils vont se dire ah là, je vais arrêter de faire mes bêtises, je vais bien me comporter. Résultat, j'ai une petite idée, les mecs. Regardez, boum, si je m'habille normalement, là d'un coup, les gens ils vont oublier que je suis policier. Mais bon, juste avant ça, il faut que j'aille voir s'il y a pas possiblement des gens qui sont en train de faire n'importe quoi là. Ça tombe bien là, les mecs, il a l'air d'avoir un vendeur ambulant, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Ah, monsieur, approchez, venez tenter votre chance. C'est quoi le jeu là? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout ce que vous avez à faire, c'est trouver la bougie verte entre ces trois bougies. C'est vraiment pas compliqué, je suis désolé, mais bon là. Bah, c'est celle-ci. Et monsieur, vous auriez raison, bien joué, vous avez gagné un petit peu d'argent. Oh, merci! Mais c'est quoi ce jeu là? C'est Elon Musk là, frérot, c'est Mr Beast. Vous êtes en train de faire un short là, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe en fait? Eh bien, attendez, monsieur, si vous voulez, on peut refaire un petit kit ou double. Donc je dois parier de l'argent, et si je trouve, vous me donnez le double. Voilà, c'est ça, vous avez tout compris, vous êtes très perspicace, monsieur. Mais là, les mecs, c'est l'abruti de l'année, là, il va me donner de l'argent gratuitement. Bah attendez, je vais aller récupérer un peu d'émeraude dans mes coffres, et on va pouvoir participer à ce jeu trop facile, les mecs. Ok, c'est bon, les mecs, j'ai récupéré 64 émeraudes, là, normalement, je suis vraiment bien. Faut que je parle à personne de ce jeu, parce que ça a l'air d'être vraiment le jeu le plus simple au monde. Ok, les mecs, ok. Bonjour, monsieur, c'est bon, je vous donne 64 émeraudes, je suis prêt à jouer, là. Ah, eh bien, monsieur, où est la bougie verte? Non, mais attendez, c'est vraiment aussi facile que ça? Tenez, je vous donne même vos 10 émeraudes en plus alors. Eh bien, allez-y, monsieur, n'hésitez pas. C'est celle-ci, celle du milieu. Mais vous venez de faire quoi là? Ah, bah non, ce n'était pas celle du milieu, monsieur, c'était celle-ci. Mais vous venez de changer, mais vous venez de changer devant moi, vous sale tricheur! Comment ça, sale tricheur? Moi? Non, vous aviez bien gagné la première fois. N'est pas ma faute si vous avez perdu. Rendez-moi mon argent! Rendez-moi mon argent tout de suite là. Eh, t'as perdu! Maintenant tu t'en vas ou là je vais commencer à câbler là. J'ai rien faire, je vais pas partir, rendez-moi mon argent! Monsieur, vous avez perdu, je vous dis! C'est le plus grand arnaqueur de tous les temps! Hop, monsieur, vous savez qui je suis? Je suis pas n'importe qui, moi, hein! Boum! Je suis un policier, moi! Quoi? Mais comment ça? Vous allez pouvoir me suivre, s'il vous plaît, là? Mais si je vous rends tout votre émeraude, ça ira! Vous allez tout me rendre d'abord et ensuite vous allez me suivre, merci de me le rappeler! Oh non! Vite, je peux tirer! Ah, oui, voilà, prenez tout! Plus, je suis sûr que vous en avez plus que ça! Ouais, mais plus, comment vous saviez? Oui, voilà! Bon, allez, maintenant vous allez me suivre! Oh, mais attends, mais vous avez combien en fait? Et faites pas l'erreur d'essayer de vous échapper là! On va vous ramener en prison là! Allez, hop, monsieur, on va en prison? Alors, ça fait quoi d'être en prison, sale malade, sale tricheur là? Mais monsieur, me tirez pas dessus! Et d'ailleurs, vous devriez plutôt vous inquiéter du mec au-dessus là! Non, mais monsieur, vous m'avez arnaqué une fois, je vais pas m'arnaquer une deuxième fois! Mais non, là, il est en train de partir! Il est en train de partir! Qu'est-ce que vous racontez? Je connais la technique! Prisonnier. Mais il y a vraiment un mec en haut là! Qu'est-ce que tu fais toi? Mais. Enfin libre! Mais c'est le mec du début! C'est le mec du début, frérot! J'ai encore un pistolet! Pourquoi tu t'échappes pile-poil quand je suis là? Je vais t'attraper! Oh non, les mecs, mais je suis en train de le menacer avec mon pistolet! Il s'arrête quand même pas! Je sais pas quoi faire! Viens là! Viens là! Mais il va où? Frérot, reste là, j'ai un pistolet là! Mais t'attendais quoi là? Ah, je voulais m'en faire! Mais frérot, c'est la pire tentative de pour s'enfuir que tu viens de nous faire là! Bon, et tu vas me suivre là du coup ou pas là? Viens, suis-moi là! Et je t'ai à l'œil là! Ok, c'est bon. Tu vas retourner dans la prison. Mais tu sais quoi, pas celle-ci, j'en connais une bien meilleure. Comment ça? Viens voir mon frérot, tu vas voir. Tu crois moi tu vas regretter d'être enfui de l'autre prison. Je t'en ai capturé un là, il a tenté de s'enfuir de la prison, c'est ton nouveau petit copain là. Mais quoi, comment ça il a essayé de s'enfuir? C'est pas moi, c'est lui, il a essayé de me taper. Mais il me tape en plus. Oh alors là, lui vraiment fallu la totale, la spéciale. Oh bah t'inquiète pas que je vais bien m'en occuper là. Même devant toi, regarde-moi ça. T'as essayé de frapper un policier, tu sais très bien ce que c'est. Boum, boum. Mais t'es un abruti, tu l'as tué. La mort, c'est la seule solution pour ceux qui manquent de respect aux policiers. Mais c'est quoi ce policier, là? Mais mon dieu, mais on est dans le caca, là, les mecs, là. Et si on a des policiers pareils? Bon, en tout cas, de ce que je vois, t'es le meilleur policier ici, hein. Y'a pas à dire. On est d'autres policiers ou y'a que moi, là? Bah, je crois que t'es tout seul, en fait. C'est pour ça que je suis meilleur. Mais bon, du coup, je te propose une petite promotion. Bah, au lieu d'aller bosser dehors, là, comme un gros nulos, moi, je te propose de bosser dans les bureaux de la police. Vas-y, je suis chaud! Bah, vas-y, prends ma place, puis moi, je m'en vais, là, prendre mes petites vacances. Allez, salut! Mais attends, c'est moi, il m'a juste arnaqué, là. Je dois le remplacer en fait. Bon, au moins, les mecs, là, c'est sûr que c'est un travail un peu plus facile. Visiblement, il y a des gens qui sont recherchés par la police. On a les frères Dalton, Avril, Jack, Joe et William. Bon, ils sont rechargés que pour 5 000 $, c'est un peu nul. Hein. Ils ont
Surtout que comment vous voulez les différencier, les mecs? Ils se ressemblent tous. Et bon, sinon, ça se passe. Mais comment ça, dead or alive? Je suis recherché? Mort ou vivant, on s'en fout. Mais c'est n'importe quoi. Mais depuis quand je suis recherché? Moi, faut changer cette image. Oula. Oh là là, les mecs. Lui, je le connais, lui. Qu'est-ce qu'il fait là, m'observer? Oh non, oh non, pas lui. Eh, hey, salut, toi. Bonjour. Alors, comme ça, c'est toi le policier de la ville? Oui, c'est moi. Mais frérot, bonjour. Pourquoi tu fais 4 mètres comme ça, là? Même parce que tu vois, je suis le leader des pillageois qui vont piller la banque cet après-midi. Oui, j'étais au courant, hein, comme convenu. Oui, vous inquiétez pas, je vais pas vous balancer. Oui, tu te souviens très bien de notre accord, hein. Et oui, je me souviens, c'est bon, ça sert à rien de me répéter. Parce que tu vois, si tu brises notre accord, on va briser ton corps. Mais ouais, mais vous menacez comme ça. Vous m'avez dit 10 stacks d'émeraudes, ce sera 10 stacks d'émeraudes, c'est bon. Bon, du coup, on s'entend très bien, hein, tu le dis à personne, hein. Mais oui, arrêtez de me menacer, c'est bon, j'ai compris. Oui, bah c'est ça, bah tu vas bien rester dans ton bureau et ne rien faire. Allez, oui, je reste dans mon bureau et rien faire, vous inquiétez pas. Mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les arrête ou pas? Je sais pas. À la fois, j'ai envie de gagner beaucoup d'émeraudes et à la fois, j'ai peur, ça va peut-être détruire le village. Dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait à ma place, là, je sais pas quoi faire. Bon, non, c'est bon, moi je vais garder mon taf. Je me concentre sur mon taf, on verra ça après. Oula, d'ailleurs, j'ai un nouveau client là, oh mon dieu, lui ça se voit, c'est un plouc. Bonjour monsieur, j'aimerais une pizza s'il vous plaît. Bonjour monsieur, sortez, on n'est pas les restos du cœur. On vend pas de bouffe. Non mais non, une pizza 4 fromages basse tomate s'il vous plaît. Frérot, va à McDonald's si tu veux manger ça. Va à McDonald's, c'est juste là. Bah alors vous vendez quoi? Mais on vend rien, on est un policier, un commissariat golem. Mais t'es pas du tout un golem, espèce de menteur, va. Et toi, t'es un villageois ou pas? Bon, bonne journée monsieur. Ouais voilà, non, menteur va. Voilà les mecs, j'ai vraiment des clients trop bizarres. Pourquoi quand c'est moi y'a des mecs bizarres qui rentrent alors que quand c'était lui y'avait personne? Bonjour monsieur, bonjour. Non, pourquoi ils ont tous des voix bizarres? Bonjour, en fait, j'aimerais bien savoir, est-ce que c'est possible de régler les problèmes? Monsieur, on est là pour ça, je suis un policier, c'est mon but. Alors en gros, je vous explique, moi je suis élève de mathématiques, et j'ai le calcul 10 plus 10, moins 10 plus 10. J'aimerais bien savoir ça fait combien. Monsieur, là, je suis désolé, c'est quoi cette question? Je suis pas professeur de mathématiques, moi je suis policier, c'est pas ce genre de problème qu'on règle. Monsieur, vous réglez les problèmes. Ouais, j'ai toujours les mecs les plus bizarres, vraiment, c'est pas normal. Monsieur, s'il vous plaît, partez, je règle pas ce genre de problème. Vous êtes sûr? Non, je règle pas, partez, c'est bon, partez. Mon dieu, je suis obligé de tirer dans le vide pour leur montrer que je suis pas là pour ça. Les mecs, j'ai l'impression que je suis le pire policier de tous les temps, mais bon, en même temps, à un moment, j'ai l'impression que les clients que j'ai, ça peut pas être pire. Ah, bonjour monsieur, bonjour. Mon dieu, mais pourquoi c'est toujours pire? Monsieur, je ne parle pas votre langue, monsieur. Ça sert à rien de venir me parler comme ça. Messi, d'accord. Lionel Messi, je crois pas ce que vous racontez. Comment ça, Messi? Monsieur, s'il vous plaît, par pitié, soit vous écrivez, soit vous trouvez un moyen de me l'expliquer, mais... Pourquoi vous montrer cette image? C'est toi! Non mais monsieur, je vois pas de quoi vous parlez, je connais pas cet homme! Il n'a rien à voir avec moi! Vous voyez bien que j'ai des lunettes! Monsieur, sortez du magasin s'il vous plaît! Sortez du magasin là! Sortez du magasin! Plus que ça là! Je veux plus jamais vous revoir! Et mec, je crois qu'il m'a cramé! Bon, faut qu'on enlève cette image là en même temps là! Oh! Qu'est-ce qu'il fout là? J'ai envie de lui tirer dessus là! Oh mon dieu! Monsieur, s'il vous plaît, il faut que vous veniez, il y a un problème dehors. Mais pourquoi vous êtes en train de mourir là, monsieur, c'est quoi cette voix là? Mais monsieur, je vous promets que c'est très grave là, il faut vraiment que vous veniez dehors là, il y a des pillageois, ils sont en train de piller tout le monde. Pourquoi? Non, c'est pas ça! Oh mon dieu les mecs, me dis pas que c'est ce que je pense. Faut que je choisisse, est-ce que je les aide ou pas? Mais comment ça vous hésitez? C'est pas normal, normalement c'est censé nous aider monsieur. Oh là, mais toi avec ta voix de mec qui a plus de gorge là, faut que t'arrêtes de m'influencer, je sais pas quoi faire. Oh, je crois que je vais aller prendre les voitures. Je vais prendre une voiture de police et je vais aller enquêter là. Oula, c'est quoi ces voitures de police là? Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec cette voiture? Oh là, je sais pas quoi faire. Ces voitures elles sont trop nulles. Bon bah tant pis, on va faire ça. Oh mon dieu les mecs, je vais sortir du commissariat. Oh mon dieu les mecs, c'est la panique. Les pillards, ils éliminent des villageois. Mais qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que j'aide les villageois ou pas? Je sais pas. Mon dieu. Oh là, bon vous savez quoi les mecs, je vais les éliminer. C'est bon, je peux pas me permettre. Je peux pas me permettre de pas les aider, de laisser les villageois mourir. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas censé nous aider. Mais frérot, je vais pas vous aider. Vous avez commencé à tous les tuer les villageois. Je pouvais pas me le permettre. C'est bon, on a éliminé tous les pillards. Normalement les villageois sont sauvés. Oh, qu'est-ce qu'il fait là lui? Lui je le connais, lui c'est celui qui est parti menacer tout à l'heure. Bah alors qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'as éliminé mes coéquipiers? Qu'est-ce que tu fais? J'ai pas fait exprès, je suis désolé. Mais quand ça pas fait exprès, t'es en train d'éliminer un autre là. Frérot, je suis désolé, j'ai tombé.
obligé. Ah ouais? Bah tu vas subir les conséquences, t'es mort. Comment c'est toi qui es mort? Voilà, j'ai sauvé les villageois, moi je m'en fous. C'est bon, il est mort. Let's go les mecs, j'ai fait mon travail de policier. Non mais non, bien évidemment que tout va pas bien. Quoi? Mais comment ça? Mais non mais frérot, on a réussi à les éliminer, ils sont morts. Bon, à part lui là, mais t'inquiète pas, là, c'est bon, ils sont morts là. Mais non, c'est pas que ça, il y a un villageois qui s'est fait tuer. Mais oui, regarde, sa maison elle s'est fait exploser là-bas. C'est un pillard qui l'a explosé, regarde-moi ça, c'est horrible. Non mais attends, c'est la pire explosion de tous les temps là, vous moquez de moi. Ça a quasiment rien explosé. Oui, mais lui il est mort, et tout ça c'est ta faute, on te déteste. Allez, va-t'en, pars du village, on veut plus de toi. Mais quoi? Mais sérieusement, mais j'ai essayé tout fait pour vous. Ouais, bah tu sais quoi, on va même partager le village en deux. Une pour les villageois comme nous, les pauvres villageois, et une pour les humains terribles comme toi qu'on déteste. Mais non les mecs, c'est pas possible. Les villageois me détestent, alors que j'étais super gentil. C'est pas possible les mecs, je suis viré de mon taf de policier, abonnez-vous.